Frère Maxime, yo, moi souhaite nous bienvenue aujourd'hui à ce petit programme La Famille que nous relais Natural Health Talk Show. Eh bien, aujourd'hui, il y a une de trois petits bâtiments de Dr. Jean Grandois parce que tout le temps, il est venu parler de prévention. Et nous voulons pour moi ça rentrer dans la tête frère avec vous parce que prévention est très important. Yo, en pile frère avec nous, Dr. Jean Grandois. Yo tant c'est les malades, les pas capable encore c'est les ça pour y a marcher car docteur. Et chaque dimanche on parle de prévention. Soit à remédier aujourd'hui. Ah mais non, que toujours presque tout programme nous fait depuis nous et toujours expliquer peuple nous là pour prévention. Nous pas voulez que c'est que laisse les mon malade pour la venir côté nous parce que me dit monde que c'est pas l'homme malade, supposé que on malade qu'on pas malade, supposé à cas docteur. Fait docteur checker et surtout à cas holistique practitioner qui monde qui pratique holistique practitioner prend bon petit fait ou prend bon petit vitamine ou même gens que l'autre nation yo, l'autre nation qui a fait là parce que on malade, puis faut 98% quand l'autre boy pas malade. Yo Dieu ça aller pour faire prévention parce que on connaît si maman yo, papa yo, t'as un tel problème, il cherche que pour mettre sûr que demain pour yo pas gagne yo commencer éduquer petit moun yo depuis au petit yo pa gen problème ça gon l'autre bagaille encore par exemple en pile moun gal ka docteur yo ba médicament et puis yo pa prend médicament est-ce qu'on pa gen case ça yo nan clinique ou hier nous gen plusieurs problèmes ça parce que moi même toujours connais que les patients pa prend médicament parce que si moun nan parce que naturel médecine son va qui prend temps qui prend patience en même temps tout si que body moun nan habitué body moun nan prend feuille nous parler le médicament nous prend feuille prend vitamine yo très bien que moun nan supposé at least gon qui gen bon soulagement que si moun nan réellement fait ça supposé faire et plus problème que gen c'est patient qui pas prend yo vin de nature médecine par curiosité et que moun nan la levé la cale il pas suivre il pas prend ça supposé prend c'est problème ça que me confronter et bien frère Maxime yo moi quoi nous tendez des tirs rapport docteur Jean Grandois. Eh bien, aujourd'hui, il vient discuter, il vient parler de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un bagage qui boit en pile, que nous faisons manger avec lui. Et c'est une huile qui en pile, le monde commence à changer, quitter l'autre huile pour prendre parce que son huile qui est réellement bon, d'après ça, je dis. Eh bien, aujourd'hui, docteur Jean Grandois vient parler de l'huile d'olive. Nous-mêmes, capteurs de moi, tendez bien ça, docteur Jean Grandois, dit nous. Eh bien, ma prêle passe, retournez par la docteur Jean Grandois. Pour lui parler avec nous de l'huile d'olive qui conséquence les gagner. Eh bien, merci beaucoup et salut communauté encore. N'a parlé de l'huile d'olive. Eh bien, aujourd'hui on a parlé de l'huile d'olive. Je laisse en anglais olive oil. Qui c'est crête qui gagne olive oil? En Europe, on population les crête population yo. C'est une population dans le monde qui pratique les monde sont pas souffrir que problème cœur et cancer la caillou. En pile scientifique aller pour faire pour ouais pour qui raison que moun sa ou pas souffrir que pas souffrir yo live tellement yo pas souffrir bah ça mais yo te joindre que moun sa ou servi en pile avec olive oil l'huile froide mori l'huile d'olive la caillou et moun sa yo ouais que moun sa vive longtemps en pile. Ça veut dire que moun sa ou moun qui servi à manger en l'huile d'olive moun sa ou live longueur, ça veut dire moun sa ou live très longtemps. Eh bien te gon récent histoire de tout qui t'est fait by on scientifique sur les Ansel qui était c'est ton fameuse panier dans manger monsieur te qui ouais que pays sa ou te gen près de 7 pays que moun sa ou death rate comme si moun sa ou grand pile moun ki pa mouri de cœur parce que yo wè que moun sa ou souffre manger en pile l'huile d'olive la caillou parce que l'huile d'olive là ça le fait li bloquer li gen tendance pour faire moun pa faire blood clot la caillou li bloquer par contre ça le blood clot ça veut dire que les sang ou gon dal ti boule li fait sang pa ka passer dans artéria ou bien dans vein dans la caillou et li faire que gombaitu ou les HDL nous toujours parler good gal ou gen cholestérol li impouvri et puis il fait monter la caillou et tout yo wè que li combat en pile cholestérol qui rete l'huile graisse qui rete nan artère ou la caillou qui fait prévent pour pas faire heart attack avec stroke la caillou pour pas faire arrêt du cœur. Et bien en Milan Italie un pays où les Milan en Italie te gon team de docteurs qui te un docteur qui fait
hat surgery qui te bay patient yo en pile l'huile d'olive la caillou et remarquer que patient ça pratiquement pas faire hat attack encore ni stroke la caillou. Et bien te gen même tout docteur dans l'université Texas qui te fait même bagage ça qui te joindre même bagage ça lui voit que moun li te bay moun l'huile d'olive lui voit moun ça gen l'ouais cholestérol moun ça descend pratiquement la caillou moun ça. Eh bien, William Kennedy, c'est un chercheur, un scientifique qui l'est. Il dit que l'Italien pas jamais mourir parce que l'Italien il a toujours mangé l'huile d'olive et moun sa yo vive très très longtemps. Yo grand moun yo vive très longtemps, plus de 100 ans. Eh bien, yo te wè que résident dans Crétio, ce petit pays en Europe ça, yo même raison que fait moun sa yo vive en pile longtemps, en pile près de 100 ans de plus, c'est parce que moun sa yo toujours 45% de manger yo c'est toujours yo mette l'huile d'olive là-dedans. Eh bien, de mon autre investigateur, le docteur William Gondi, qui conclut dans la conclusion, qui dit que dans l'huile d'olive là, il y a mono unsaturated fat qui combat high cholesterol, qui combat le cholesterol là, trop high la caillou, qui combat la caillou. Eh bien, docteur Gondi, tu advises américain pour yo substituer au lieu pour prendre l'autre huile pour utiliser l'huile d'olive dans manger au lieu pour prendre l'huile qui gain fat la caillou pour prévent que pas gain on ba les cardiovasculaire disease pour pas gain souffre cœur la caillou qui gens l'huile d'olive là ouais quand qu'elle travaille. Eh bien l'huile d'olive là mais qui gens travaille comme se dit nous là l'huile d'olive là gon ba la caillou les mono unsaturated fatty molécule la caillou. So saf mas fatty molécule la caillou li protège ou against il fait blood là pas clot la caillou parce que il fait que passage sang dans cœur from cœur pour aller dans brain aller sans problème de façon pour sans parité pour les monde qui gain cholestérol comme ça les cholestérol c'est trop graisse qui dans artère dans vein nous et lui recommander que par exemple conoyol tout très bon pour monde qui très bon pour monde. Et tu vois que olive oil là, l'huile d'olive là, non seulement que li fait cholestérol ou retirer la caillou, li descend cholestérol là et tout, li très bon pour bon gars ou les HDL là, pour le monter bon gars ou les HDL là pour bal force pour nettoyer artère pour permettre tout que pour pas faire heart attack la caillou problème cœur pour souffrir maladie que la caillou. Par exemple, tu vois que l'huile d'olive là ak comme anticoagulant, ça veut dire anticoagulant veut dire que il fait blood là, il teint blood, il fait blood là passer sans problème. Il fait blood là pas grand passage là pas grand là-dedans. Il fait blood là pas clot, ça veut dire blood là c'est quoi de l'eau, il passe l'envie en back and forth sans pas aucun problème. Bien l'huile d'olive là très bon pour moun sa parce que il nettoie venant pour moun sa, il fait pas grand blocage et surtout moun qui fait cholestérol, l'huile d'olive très bon pour eux parce qu'il retire excess cholestérol là la caillou pour faut pas faire d'attaque. Et bien second team docteur italien et scientifique qui était l'aide qui était utilisé docteur Bruno Berra, c'est lui c'est professeur un professeur de biochimie qui était en charge de recherche ça dans school pharmacie à l'université de Milan qui dit que lui découvert près de 100 chimie compounds qui protègent against problème que dans l'huile d'olive la caillou. Et bien accordant que docteur Berra li dou que kimito compensateur ça a fait yo cantirak high fat yo et high cholesterol yo tout pour faire que ou pas souffrir cœur ou pas faire heart attack pour faire blood là couer un blood ten faire blood là passer dans 20 ans pour pas gain problème cœur pa. Et bien n'a pas parlé de olive oil parce que olive oil nous voit que nous parle plus de cholestérol parce que cholestérol sont bah qui très très dangereux et plus que recherche que vous fait avec l'huile d'olive là c'est sur cholestérol et on voit que dans l'huile d'olive là gon chimie particulière dans l'huile d'olive là il est cycloathanol. Cycloathanol là il est très bon parce que ça fait le neutralise cholestérol là la caillou
li durant que li absorbe cholestérol là, li idéal pour mettre cholestérol là à route dehors dans blood d'eau. Son va qui très très important, l'huile d'olive son va qui très bon la caillou. Et même quoi que la caillou qu'on utilise d'olive, et moun qui habitué avec nous sous même sous un problème foie tout, l'huile d'olive très bon pour vous. Eh bien, dans le docteur Beray Stodiam, monsieur était en tête de recherche qui fait parce que vous voyez qu'en Italie, Italiens mangent en pile l'huile d'olive et moun sa olive près de 100 ans de plus. Ils ont besoin de compte qui secret fait moun sa olive de plus. Vous voyez que c'est trop l'huile d'olive que moun sa mange qui fait que secret que vous vivez, vous n'avez pas souffri que vous n'avez pas de cholestérol la caillou. Eh bien, docteur Bernard, vous voyez que dans l'étude, il fait que vous voyez que l'huile d'olive là retire le cholestérol là complètement. La cali il était même équivalent l'homme manger deux œufs lui l'on prend un teaspoon de l'huile d'olive l'équivalent à retirer deux œufs l'homme manger la carou et nous connaissons œufs c'est pour bah nous supposer point et l'huile d'olive nous connaît que si on prend trop d'œufs prend l'huile d'olive pour moi retirer ça à la carou et bien tes recherches qui fait à l'University of Kentucky recherché aux États-Unis qui te voit que le jeune que l'huile d'olive là tout descend blood pressure ka moun. OK moun qui fait blood pressure pour un teaspoon de l'huile d'olive avec un teaspoon de citron chaque matin la caillou non seulement fait bon fort froid dit très bon pour descendre cholestérol la caillou et tu vois même que sous ba moun ça 2/3 de teaspoon de l'huile d'olive chaque jour lui descend blood pressure à about 5 points et 4 points dans 6 5 points dans systolique là 4 points dans diastolique là s'il vous plaît monde qui fait blood pressure au lieu pour prendre l'autre l'huile qui est trop fat là-dedans ça veut dire trop graisse utilisez l'huile d'olive ou bien corn oil très bon pour vous et tu as même joindre que raison que fait italien yo monsieur italien yo fille italien vivent longtemps comme ça c'est parce que l'huile d'olive là gon on effet là-dedans il est anti-égène anti-cancérigène ça veut dire qu'il protège cellules yo qui bien en forme et bien yo te ouais que olive oil là les que yo mettez dans human cell là li fait cell membrane nan plus stable on connaît le grand monde quoi ça comme mon programme m'était fait sur poisson de dire que dans poisson monde qui fait auto le grand monde on va relé ENS anatomie autonomique nerveux système ou commencer descendre la preuve le grand monde le fond lever le matin ou est tête ou virer ou pas gain balance la caillou monde sont supposé manger en pile poisson et m'en prend bon l'huile d'olive l'huile froid de morue l'huile d'olive la caillou parce que l'idée li gon anti-angier anti-cancer anti-égène ça veut dire faut pas vieillir trop li faut prévent tout et gain cancer la caillou s'il vous plaît l'huile d'olive c'est bon pour vous parce que li détruit on série de barrières free radical quand on l'aime parler de free radical nous va gagner de temps pour nous expliquer ça les free radical qui l'enlève et antioxydant on parle des antioxydants ou gain vitamine E vitamine I vitamine C ou gain une série de antioxydants qui protège au against problème ça haut et bien implication bon quoi il là implication ça que antioxydant qui gain dans olive oil yo suffisant pour protéger human cells ça veut dire cellules nous et est capable de réduire idée nous pour réduire que pas vieillir trop vite parce que une série de monde ouais mon nan gain 40 ans mon nan toute cheveux grand en blanc et mon nan comment garder comme monde qui gain 70 ans 100 ans et autre même ouais tout olive oil là tout l'huile d'olive là tout gon laxatif agent la cali par exemple monde qui constipé olive oil très bon pour moun ça surtout moun qui constipé toujours prend olive oil avec jus citron surtout le matin avant qu'on mange n'importe bagaille l'huile d'olive ça très bon pour et bien je te font une expérience tout par exemple yo moun sous prend olive oil trop il gen doit bon diarrhée c'est ça fait d'eau il gon laxatif et fait la cali il gen d'abord petit diarrhée c'est pas veut dire c'est ça c'est fait qui gen là-dedans quoi critique yo gen doit dire non ah ben en conclusion si me répéter pour nous l'huile d'olive là très bon pour cœur il descend cholestérol ou ba yo les LDL la caillou et puis il raise cholestérol la caillou et bien il sort pas mourir tout de suite et il donne en blood pressure on se va donc que s'il vous plaît très bientôt, toujours servi avec l'huile d'olive. Eh bien, nous ne pouvons pas gâcher le temps. Monsieur, nous,
N'a dit tout le monde, bonne semaine. Et tant de ça, docteur Gennadine, non. Mangez-t-il l'huile d'olive, nous la pimo pour nous. Ok, bye bye. À la prochaine, n'a pas été un nouveau programme pour nous.